Mamadi, réalisateur de la République démocratique du Congo. Je vais vous parler très brièvement de mon film En route pour le milliard, que vous allez découvrir d'un moment à l'autre. C'est l'histoire d'une guerre oubliée, la guerre des 6 jours à Kisangani, une ville de l'est de la République démocratique du Congo. Il y a 20 ans, dans les rues de cette ville, deux armées étrangères, l'armée du Rwanda et l'armée de l'Ouganda, se sont violemment affrontées pendant 6 jours. Les dégâts étaient énormes. Beaucoup de personnes, beaucoup de gens sont morts. Et 20 ans plus tard, aucune réparation. Et le pire, en tout cas de mon point de vue, c'est que cette guerre semble effacée des mémoires. Personne n'en parle partout au Congo. Et pourtant, énormément de gens sont morts. Et jusqu'à ces jours, des rescapés de cette guerre, beaucoup d'entre eux n'ont jamais réussi à repartir véritablement dans la vie. Et tant que cinéaste, et natif de cette ville, ayant connu cette guerre, moi aussi, avec ma famille, je pensais qu'il était important, nécessaire, de raconter cette histoire. C'est ma façon de lutter contre l'amnésie collective qui s'empare de la plupart des Congolais aujourd'hui. Oublier cette guerre, c'est prendre les risques que cela se reproduise encore. Je vous invite alors à découvrir l'histoire de ces rescapés de la guerre des 6 jours à Kisangani. J'espère que cette histoire va vous toucher et surtout que vous allez passer un bon moment de cinéma. Merci.